Aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez délicat. Je vais parler de la sexualité. Mais je vais parler de la sexualité, non pas de l'ancien monde, c'est-à-dire du monde que nous connaissons toujours, où la sexualité était complètement dévoyée. Je vais commencer à parler de la sexualité dans la prochaine réalité, c'est-à-dire la quatrième densité. Vous savez que la quatrième densité est une densité de conscience, est une réalité de conscience. C'est-à-dire que la conscience change par rapport à la conscience de tout un chacun. Cette conscience de tout un chacun, elle est en train de diminuer sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui prend place de la conscience des individus de tout un chacun, des individus ordinaires. En fait, pour parler de la sexualité, je vais vous raconter d'abord un rêve. Dans mon rêve, je me promenais dans une ville à la tombée de la nuit. Les lampadaires commençaient à s'éteindre. Lorsque ces lampadaires s'éteignaient, il y a quelque chose qui commençait à m'énerver. C'est une énergie, et j'avais, identifié ce quelque chose comme une énergie électromagnétique qui remplaçait l'énergie ordinaire ou l'énergie de la vie ordinaire. Quelque chose faisait que quelque chose devenait inhabituel. Et en fait, je voyais que lorsque les lampadaires s'allumaient, dans mon rêve, je voyais que les gens se tairaient chez eux, fermaient le volet, en fait, fermaient les volets et se tairaient chez eux. Ils commençaient à avoir peur. Et lorsqu'ils commençaient à avoir peur, en fait, ils projetaient leur peur sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils devenaient colériques, ils devenaient méprisants, agressifs. En fait, ils critiquaient tout ce qui se passait dans leur vie. Si on regarde bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils avaient peur. Et leur conversation banale devenait carrément psychopathique. Ça frisait la folie, c'était pas logique. Et lorsqu'en fait ils réagissaient à quelque chose, ils devenaient envieux, devenaient méprisants envers les autres, jaloux. Et en fait, en réalité, ils critiquaient la sexualité des autres. Critiquer ce que faisaient les autres dans leur sexualité. En fait, ils critiquaient les gens qui étaient homosexuels, qui critiquaient les gens qui étaient, ou les femmes qui étaient lesbiennes, ou transsexuelles, ou n'importe. Ça veut dire que ce qui n'était pas conventionnel était automatiquement critiqué par ces gens-là. Donc en fait, j'avais compris que lorsque les lampadaires s'allumaient comme tous les soirs, hein, il commençait une période où les gens s'adonnaient à la folie ou à des choses qui n'étaient pas logiques. En fait, c'était le moment des crimes, c'était le moment où des viols, c'était. J'en avais peur, mais de l'autre côté, il y avait des gens qui devenaient violents parce que cette lumière activer quelque chose, cette lumière artificielle, activer quelque chose en eux. Et en fait, lorsque je voyais ça, dans mon rêve, mais lorsque je voyais ça, j'étais énervé. J'étais agacé parce que j'étais hypersensible. Et je comprenais, et je commençais à comprendre que ce quelque chose venait de la lumière, de cette lumière artificielle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mon rêve, je suis allé à la boîte, comment on appelle ça, une boîte électrique, au coffret électrique d'un des lampadaires, et j'ai arraché une petite pièce, en fait une pièce comme ça, une espèce de cristal, j'ai arraché ça du coffret électrique, et à partir de ce moment-là, les choses ont changé. J'ai arraché un petit morceau de quartz de ce lampadaire.
C'est ce qui a changé la fréquence vibratoire de la lumière qui était émise par les lampadaires. J'avais bien compris que ces lampadaires émanaient une lumière, une fréquence artificielle qui faisait que les gens devenaient peureux. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Un humain, normalement, il n'est pas peureux, il n'est pas suspicieux de l'autre, il n'est pas jaloux de l'autre. Tout ça n'existe pas. Normalement. Mais normalement, ça veut dire que dans le monde que nous sommes en train de quitter, donc l'ancien monde, tout ça existait. Mais ça n'existera plus dans le futur. Il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque ces lumières artificielles étaient mises hors circuit, les gens redevenaient sympathiques. Ils redevenaient sympathiques les uns avec les autres. Ils parlaient les uns avec les autres, ils devenaient conviviaux et aimables et compagnie. Ils n'avaient pas besoin de se forcer à devenir comme ça. Ils devenaient automatiquement conviviaux, aimables les uns avec les autres. Au point où, dans leur relation sexuelle, quelque chose aussi changeait. Qu'est-ce qui changeait dans leur relation sexuelle? Ben, les gens n'étaient plus envieux de l'autre, ils étaient plus jaloux de l'autre, ils étaient plus suspicieux, et leurs élans de possessivité disparaissaient. Il n'y avait plus de culpabilité, il n'y a rien du tout. Donc j'avais bien compris que ce que l'humain actuellement ressent, c'est quelque chose qui ne vient pas de lui-même. Ça vient d'ailleurs. En fait, plus personne à ce moment-là n'avait besoin de se justifier de quoi que ce soit, car plus personne ne mentait à l'autre. Tout le monde était ouvert, était à l'aise avec l'autre, que ce soit dans les échanges verbaux, de la même manière que dans la sexualité. Ceux qui étaient, les gens qui étaient lesbiennes, ou les gens qui étaient transsexuels, ou les gens qui étaient homosexuels, ben, leur sexualité est devenue légitime. Elle était vue, elle était connue par tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, dans notre vérité, dans l'ancienne vérité, dans ce qu'on vit encore pour l'instant, des gens qui sont homosexuels ou lesbiennes ne sont pas normaux. Mais en réalité, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas normaux. En fait, tout est normal si on comprend les choses. La normalité est une vision d'un monde étriqué. Le monde actuel, il est tellement malade que les gens ne se remarquent même pas qu'il est tellement malade. Ils croient que le monde qu'ils voient est malade. Mais en réalité, c'est eux-mêmes qui sont malades. C'est eux-mêmes en tant qu'individu étriqué dans sa conscience. Lorsque ces lumières étaient éteintes, enfin dans mon rêve, ben chacun assumait sa sexualité dans la manière dont il la vivait. Tous ceux qui étaient homosexuels, ben, ils retrouvaient des compatriotes ou des gens du village qui étaient homosexuels. Les filles qui étaient lesbiennes, ben, ils retrouvaient automatiquement des filles dans le village qui étaient en fait dans cette ville qui étaient lesbiennes. Les gens qui étaient trans, ils se retrouvaient entre trans. Mais en fait, il n'y a plus de sexualité réellement. C'était un amusement. Ce n'était plus, ils ne devaient plus se cacher. Évidemment, ils n'avaient pas besoin de revendiquer leur sexualité. Ils se cachaient plus, point. C'est tout. Et en fait, ça c'est quelque chose qui l'ancien monde que les gens actuellement ne comprennent pas encore. La sexualité, de cette manière-là, elle n'est pas normale pour le monde actuel. Dans le nouveau monde, tout le monde assumera sa sexualité, quelle qu'elle soit. Plus personne n'aura besoin de se cacher. Parce que c'est juste comme ça. Évidemment, dans ce nouveau monde, dans le monde du futur, il y aura toujours des couples hétérosexuels, des couples hommes-femmes qui ont un enfant. En fait, pourquoi ça existera encore? Parce que, en réalité, ça existera toujours. Parce que dans certains mondes, certaines entités ont besoin de, comment on peut appeler ça, de fabriquer des enfants, de fabriquer des enfants, en fait, d'enfanter. Parce que le problème, il y a, c'est que dans ce monde où il n'y aura plus de crime, ben, il n'y aura plus de problème. Pourquoi? Parce que les gens ne considèrent pas la sexualité comme un problème. Ils ne considèrent pas la sexualité comme une tare, ne considère pas les déviations sexuelles comme une tare.
mais peuvent considérer cette déviation sexuelle comme quelque chose qui est constructif. Évidemment, on ne comprend pas trop actuellement cette histoire. Dans l'ancien monde, la sexualité était une source de confusion. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait vraiment dans la sexualité. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient des rapports sexuels les uns avec les autres. Ben, en fait, dans les religions, on leur apprenait, enfin les religions, n'importe laquelle, que ce soit les religions de l'Église, les religions musulmanes, les religions n'importe lesquelles, on leur apprenait que la sexualité devait leur permettre de procréer, ça veut dire d'engendrer des enfants. Et s'ils n'engendraient pas les enfants, dans la religion catholique, la sexualité était un péché. On n'avait pas le droit de s'occuper de soi. Maintenant, la sexualité peut être, donc elle est source de beaucoup de confusion. Et pourquoi elle est source de beaucoup de confusion? Parce qu'en ce moment même, cette sexualité était en train de changer. Elle est en train de changer. L'ancien monde s'efface, mais le nouveau monde, quatrième densité, commence à s'installer. Bien sûr, les gens de troisième densité, les gens qui ne savent pas encore, ils ne voient rien, ils ne comprennent pas. Ils ne font que critiquer. Ils critiquent les gens qui ont une autre sexualité. Il faut bien comprendre que, dans mon rêve encore, hein, dans mon rêve, lorsque cette lumière artificielle s'éteignait, la vraie lumière s'installait, même si c'était nocturne. Ça veut dire que on peut comparer cette lumière nocturne artificielle à l'effet de toutes ces technologies, donc la 5G, ARP, Linky et compagnie. Cet effet-là, en fait, ces lumières artificielles ont un effet sur notre biologie, sur notre sexualité, donc. En fait, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait si on augmente notre fréquence vibratoire par la sexualité? Bon, en fait, l'un des premiers, même le premier moyen d'augmenter notre fréquence vibratoire, c'est par la sexualité. Ça ne veut pas dire la sexualité pervertie. La vraie sexualité permet de monter notre fréquence vibratoire, d'augmenter notre fréquence vibratoire. Et ça veut dire quoi? Une fois, il y a pas longtemps, je sais pas, dans un détaillé ou je sais plus dans quoi, une chronique, je crois, j'avais parlé de la sexualité qui permettait de toucher les autres plans vibratoires, parce que la sexualité permettait de monter la fréquence vibratoire sur les autres plans. Et c'est quoi ces autres plans? C'est les plans d'antimatière. Notre corps actuel, il est localisé, on peut dire, dans le plan matériel, puisque j'ai un corps matériel qui est formé de cellules, d'atomes, voilà, d'atomes, on va dire, parce qu'on va surtout parler de ça encore une fois. Qu'est-ce que ça permet lorsqu'on possède des atomes? Nous savons que tout corps matériel, c'est de la matière. Mais maintenant, la science sait que l'antimatière existe, mais ils ne peuvent pas la trouver. Ils ne peuvent pas la trouver. Ils font des recherches pour essayer de la chercher, de la trouver. Ils n'y arrivent pas. À partir du moment qu'ils cherchent à trouver de l'antimatière, ils se heurtent toujours à un paradoxe. Ça ne marche pas. On ne peut pas trouver de l'antimatière. Ça n'existe pas. L'antimatière n'est pas de notre monde, elle n'est pas du présent. Et lorsque l'antimatière n'est pas du présent, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Nous savons en fait que l'antimatière, c'est le monde de l'univers, mais de l'anti-univers. La matière, c'est le monde matériel, mais le monde de l'anti-univers. Donc la matière, c'est le monde matériel, c'est-à-dire le monde présent. Et l'anti-univers, l'antimatière, c'est le monde, ce sont les mondes passés et présents. Pour nous, hein. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Le présent, c'est la totalité, ce sont tous les temps. En fait, le présent inclut tous les temps, à la fois le passé et le futur. Mais lorsque nous parlons du futur, nous parlons d'un passé déjà résolu. Mais si nous parlons de passé, nous parlons d'un futur pas encore résolu. Vous savez? Mais en fait, parce que tout se présente dans le même moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons de la matière dans notre présent,
Nous avons de l'antimatière dans le passé et le futur. Et l'antimatière, c'est quoi? C'est l'éther. C'est l'endroit, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est l'endroit où se créent les mondes et où se détruisent les mondes. Les mondes qui sont détruits, ils sont situés dans notre passé. Les mondes qui se créent, ils sont situés dans notre futur. Mais qui s'est créé le monde? C'est nous. C'est psychiquement, c'est nous. Les mondes se créent à travers le présent. Ils ne se créent pas dans le futur. Ils se créent à travers le présent pour notre futur. Donc ça veut dire quoi? Si nous avons un monde matériel dans le présent et des mondes antimatériels dans le futur, ça veut dire que dans le présent, nous avons un monde de matière et un monde éthérique dans le futur et dans le passé. Les mondes du passé sont des mondes éthériques et parce qu'ils n'existent plus. Et dans le futur, il y a des mondes du futur qui n'existent pas encore. Mais les deux, ce sont des mondes éthériques. C'est-à-dire, c'est des mondes de l'antigravitation. Le passé, c'est des mondes post-plasmatiques. Et le futur, c'est des mondes pré-plasmatiques. Si ces mondes d'antimatière existent, ben notre corps aussi, il existe, il est encore dans l'antimatière. Mais c'est quoi ce corps dans l'antimatière? Si notre corps est un corps de matière, ben, notre corps aussi, il a un corps antimatériel. Ce corps antimatériel, c'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Ou les corps éthériques. Et les corps éthériques, on fait quoi avec les corps éthériques? Qu'est-ce que c'est un corps éthérique? Lorsqu'on comprend ça, que le monde, l'univers, c'est le monde miroir des nôtres. L'univers en lui-même possède exactement sa copie inversée. Donc ça, son double, l'univers possède son double. Le soleil possède son double qui est l'anti-univers, l'anti-soleil, pardon. Donc, chaque individu qui vit incarné dans ce monde, il a un double. Le soleil, il a un double. C'est quoi ce soleil qui est un double? Ben, c'est le soleil noir, celui qu'on ne voit pas. Parce qu'il n'existe plus, il existe de nouveau. Il n'existe plus parce qu'il a disparu il y a des millions d'années, il va revenir dans le futur. Mais en réalité, il n'a jamais disparu, puisque celui qui est présent, c'est le nôtre. Le soleil représente une porte, ou une fenêtre plutôt. Une fenêtre multidimensionnelle, une fenêtre dimensionnelle. Le soleil est une fenêtre. Et qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe par cette fenêtre? Donc c'est un trou noir, là, une fenêtre. C'est un trou. Le soleil est un trou noir qui laisse passer des choses. Qu'est-ce qu'il laisse passer? Ben, par les éjections coronales et tout ça, actuellement, les éruptions solaires, tout ça, le soleil échange de la matière antimatérielle avec notre monde qui est matériel. C'est-à-dire que notre monde, il reçoit de plus en plus d'antimatière qui, dans notre réalité, redevient matériel. Donc ça veut dire que le soleil est un portail entre notre présent actuel et notre futur. Mais c'est aussi un portail entre notre présent actuel et notre passé. Ça veut dire que lorsque le soleil laisse passer l'antimatière, ben, notre corps, c'est la même chose. Nos atomes, j'ai déjà dit dans un des focus, hein, nos atomes sont des fenêtres dimensionnelles. Ils sont des portails. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le soleil? Donc, comme j'ai dit, le soleil nous laisse passer des particules d'antimatière. Et comment ça se fait? Parce qu'en fait, c'est par les éruptions coronales, tout ça, en fait, tous les phénomènes solaires actuellement qu'on connaît. Mais dans notre corps, nous avons aussi des phénomènes qui se passent. C'est-à-dire, l'être humain, l'individu humain, moi, je suis constamment
bombardée d'antimatière. Comme le soleil, donc ma réalité, il est constamment bombardé d'antimatière. L'antimatière, ça provient, en fait, c'est un échange d'ions entre mon corps et mon double, et le corps de mon double. Donc, c'est quoi un double? Le double, c'est moi qui existais dans le passé et qui, lorsque tout ce passé serait résolu, toutes les morts, tout ça serait résolu, va exister dans le futur. Mais le futur, il ne sera plus, comment dire, clavé par les incarnations. Le futur, il sera une seule, un seul futur. Parce que le passé a été résolu. Ça ne signifie pas que l'être humain, que moi, mon corps, il n'est pas interchangeable. Il échange, il n'est pas interchangeable. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il quitte le monde et change le monde. Mais ça veut simplement dire qu'il échange des ions avec ma partie, avec mon double, qui est, lui, plus élevé parce qu'il est déjà dans le futur. Et que sa conscience est plus élevée. Donc, si mon double a une conscience déjà plus élevée, qui est déjà dans le futur, ben c'est lui, en fait, qui est mon soi supérieur, qui représente mon soi supérieur. Donc, si on se connecte à notre soi supérieur, ça veut dire qu'on se connecte tout simplement à notre double du futur dans une densité plus élevée. Donc, ça veut dire que si nous échangeons, on fonctionne comme un échangeur d'ions. Nous fonctionnons comme un échangeur d'ions. Ça veut dire chaque fois qu'un ion, qu'il soit positif ou négatif, quitte notre corps, un ion arrive dans notre corps. Il vient de notre double. Ça veut dire, il faut bien comprendre quelque chose. C'est un phénomène qui est naturel. Mais ce phénomène, c'est comme le soleil. Le soleil, pendant 2 ou 3 000 ans, je crois, il n'avait pas bougé. Il n'avait pas augmenté en énergie. En fait, son énergie était assez stationnaire, était équilibrée par rapport à l'univers, au système solaire. Cette énergie était stable. Mais cette énergie, maintenant, elle n'est plus stable. Il y a de plus en plus d'éruptions solaires, il y a de plus en plus d'éruptions magnétiques. C'est vraiment très très fort ce qui se passe. Mais dans notre corps, c'est la même chose. Dans le corps, il se passe des choses très très fortes. Et en fait, la dernière fois que j'ai fait un focus, vous avez dû remarquer, j'étais lessivé, j'avais trop de couleurs, j'avais un herpès, j'arrivais plus à parler, j'étais vraiment, vraiment très, très mal, très malade. J'avais chopé des virus, comme on dit. Mais ça m'est passé. Pourquoi? Parce que, de la même manière que le soleil laisse passer des antiparticules, ben, mon corps, il restitue des antiparticules. Il restitue des antiparticules à mon soi futur. Ça veut dire que mon soi futur, lui, il a la possibilité d'utiliser des antiparticules pour lui aussi grandir dans son futur. En réalité, l'être humain, il se fait sucer ou pomper son énergie par ses soins, son soi SDS, donc service de soi, du passé, mais il offre son énergie à son soi SDA du futur. Le soi SDA du futur ne lui prend pas l'énergie. Il accepte qu'on lui donne l'énergie. En fait, accepter l'énergie, c'est lorsque nous-mêmes, nous arrivons à monter notre énergie. Et comment cela se fait? Ça se fait par la sexualité. Mais pas par l'ancienne sexualité, parce que l'ancienne sexualité détruisait le monde. L'ancienne sexualité était destructive, était pas du tout constructive. Donc ça veut dire que si nous avons une expérience sexuelle avec quelqu'un, ça peut être n'importe quoi. En fait, on va prendre des transsexuels ou des homosexuels qui rencontrent des gens et qui font des expériences homosexuelles les uns avec les autres, par automatisme, parce qu'ils ont juste envie, ou parce qu'ils se filment, ou parce que... En fait, ce n'est pas vraiment des homosexuels qui ne pratiquent pas leur sexualité avec conscience,
avec amour, comme on dit, ben, là c'est de la perversion. Mais des homosexuels qui pratiquent leur sexualité avec conscience, en s'amusant, dans la joie, dans l'échange quand ils parlent, en fait, ce sont des gens qui sont tout à fait capables aussi d'augmenter leur fréquence vibratoire. La sexualité permet d'augmenter notre fréquence vibratoire, quelle qu'elle soit. Donc ça ne sert à rien de critiquer les gens qui sont homosexuels ou autre chose, ou lesbiennes. La sexualité est simplement un moyen pour monter notre fréquence vibratoire. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on monte notre fréquence vibratoire? Lorsque nous montons notre fréquence vibratoire, nous accélérons le temps. Parce que nous accélérons la perception de notre temps. En fait, ce n'est pas vraiment la perception qui s'accélère, c'est tout qui s'accélère. Il n'y a pas que la perception. Nous accélérons aussi le changement de dimension. Ça veut dire qu'en fait, notre corps, puisqu'il échange des ions avec notre double, ben notre corps est rajeuni. C'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu logique. Ça ne veut pas dire que. En fait, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose. Les gens qui comprendront, comprendront, parce qu'ils le vivent déjà. Les gens qui ne comprennent pas pourront pas le comprendre parce qu'ils ne vivent pas encore, mais peut-être qu'ils le vivront dans le futur. Lorsque nous échangeons des ions qui ne sont plus nécessaires, en fait, qui ont détruit notre corps, ben, ces ions-là, ils sont régénérés. Donc ça veut dire que nous échangeons du vieux contre du neuf. Et si nous échangeons du vieux contre le neuf, dans notre corps, dans nos cellules, dans nos atomes, ben, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que petit à petit, notre corps se transforme. C'est pour ça que j'étais malade comme un chien. Les derniers temps, j'étais malade, je me suis dit, où est-ce que j'ai encore passé? Je n'avais pas. Tellement mal que je me suis posé la question. Mais aujourd'hui, ben j'ai réussi à passer encore une fois, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut juste dire que, faut que moi j'ai accepté de vivre ce processus parce que je sais que ce processus m'était bénéfique. Je ne suis pas allé courir chez le médecin pour avoir des médicaments ou me faire vacciner. Les gens qui ont couru chez se faire vacciner, c'est qu'ils n'avaient pas compris. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris. Et je ne peux pas l'expliquer. Je ne pouvais pas l'expliquer. Les gens n'étaient pas capables de comprendre ce que j'explique. En fait, lorsque nous avons une relation sexuelle avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, hein, des hormones se mettent en route dans notre corps. Donc des hormones, c'est chimique. Vous savez très bien que certaines réactions chimiques augmentent l'énergie, produisent l'énergie. Lorsque ces réactions chimiques produisent l'énergie, c'est bénéfique pour nous, pour l'être humain, c'est bénéfique pour notre corps. Depuis un certain temps, entre guillemets, il nous a été offert, donc je ne sais pas qui nous a offert ça, ou c'est pas officiel, hein, c'est marqué nulle part. L'humanité est appelée à vivre. Le phénomène du troisième homme, c'est ce qu'on appelle la tripicaréativité. Nous, on appelle ça la tripicaréativité. C'est une nouvelle forme d'échange d'énergie entre les hommes. Je pourrais presque dire, c'est une nouvelle forme d'échange qui sort de la loi du couple de l'homme et de la femme. Ça voudrait par exemple dire que dans le futur, il existera une nouvelle forme de famille ou une nouvelle forme de collectivité qui ne sera plus régie par un homme et une femme pour produire des enfants, bien que ça existera encore, hein. Mais certaines parties de la population seront amenées à créer des échanges sexuels.
par trois personnes, qui passe par trois personnes. Ça peut être un homme, ça peut être un homme et deux femmes, ça peut être trois femmes, ça peut être trois hommes. N'importe quel système, ça fonctionne. Dès que on monte l'énergie, ça veut dire que dès que la chimie du corps se met en action. Le problème, c'est pas de savoir c'est qui fait avec qui. C'est qui avec qui, hein, sur le plan matériel. Hein. Il s'agit de savoir qui avec qui, mais sur un autre plan, sur un plan de conscience. Si, par exemple, il y a des homosexuels ou un femme et un homme, si par exemple, il y a une femme et un homme qui n'ont aucune conscience, leur sexualité n'a aucun effet. Ça ne sert à rien qu'un homme et une femme qui n'ont rien de commun, qui n'ont aucun amour l'un avec l'autre, qui n'ont rien en commun avec l'autre, fassent sa sexualité. Ça crée quoi? Ça crée rien. Ça crée en réalité, c'est quasiment un viol. Ou en fait, s'ils engendrent des gamins, les gamins, les enfants, ce sont quand même des tares. Parce que les parents eux-mêmes sont tarés. C'est con, mais c'est un peu ça. Par contre, les parents qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la conscience 3D, ben ils vont engendrer des enfants qui seront déjà prêts pour la quatrième densité. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la conscience comme avant, comme leurs parents. Ils n'auront plus ça. Et en fait, ces enfants, c'est eux, en fait, ils refuseront d'être formatés par l'école. Lorsque nous nous exprimons sexuellement, c'est la meilleure façon de nous propulser vers la quatrième densité. Et si on le fait par la triplicativité, ben ça va encore plus vite. On augmente notre potentiel de transformation. On augmente je veux dire, vitesse. Notre vitesse pour aller vers la candée. Comprenez ça? Si on augmente l'énergie, ben c'est comme si on mettait les gaz sur un moteur. On augmente et le moteur il va plus vite. Donc les gens, le moteur ou la moto ou la voiture va aller plus vite. Donc c'est la même chose pour l'humain. Plus on lui donne de l'énergie, plus il se donne de l'énergie, plus il s'adonne, entre guillemets, à la vraie sexualité, entre guillemets, avec amour. Avec conscience, en parlant les uns avec les autres, en partageant sa sexualité, en partageant son intimité, en partageant sa fragilité, c'est là qu'il élève sa fréquence vibratoire. Donc aujourd'hui, cette triplicativité qui nous est offerte, pourquoi elle nous est offerte? C'est pour accélérer notre croissance, notre croissance, pour accélérer ou pour améliorer l'évolution de la conscience, pour lui donner un coup de boost si on veut. Et pourquoi on faisait ça dans notre réalité à nous? Pourquoi on faisait pas ça dans le passé ou dans le futur? Ben, on ne peut pas. C'est aujourd'hui que nous devons le faire. La triplicativité est offerte. Certains, mais aujourd'hui, c'est pas demain qu'elle sera offerte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette triplicativité finalement? Faut bien comprendre que notre double éthérique est automatiquement féminin. Le premier Christ est un féminin. Dieu, entre guillemets, est un féminin. Il n'y a pas à savoir s'il y a eu d'abord la poule ou d'abord l'œuf. Il y a toujours eu d'abord la poule, d'abord le féminin. Pourquoi ça? On peut le voir dans l'histoire des chromosomes. Les chromosomes, il y a XX, c'est les chromosomes féminins. X, Y, c'est les chromosomes masculins. Le chromosome XX, il possède beaucoup plus de codes génétiques que les chromosomes Y, qui est masculin. En fait, les chromosomes Y possèdent des codes qui sont
un motif. Alors que les chromosomes XX possèdent plus de codes évolutifs. Et effectivement, on peut regarder ça dans ce monde actuel. C'est la poule qui pond l'œuf. La poule et le potentiel qui va pondre dans l'œuf. L'œuf, lui, dans l'œuf, il peut y avoir un mâle ou une femelle. Donc la poule peut engendrer une poule ou un coq. S'il y avait un coq en amont, le coq il ne peut pas engendrer un œuf. Il ne pond pas. Il pond pas. Donc il ne peut pas engendrer quelque chose. Donc le coq n'est pas créateur. Mais la poule, elle est créateur. Elle peut engendrer des mondes. C'est une loi naturelle dans notre univers qui permet au féminin de créer. C'est une loi naturelle. Une loi universelle dans notre univers. L'antimatière, c'est juste l'inverse. Une poule dans l'antimatière ou un féminin dans l'antimatière, il est toujours féminin. Mais dans la matière, il peut devenir masculin. Je sais que j'ai beaucoup de fois été une femme. Aujourd'hui, je suis masculin. Si on comprend ça, on comprend aussi pourquoi il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens actuellement qui préféreraient être féminin que masculin. Il y a beaucoup d'hommes qui ont envie d'être une femme. Il y a un peu moins de femmes qui ont envie d'être hommes. En fait, ce n'est pas très grave. Ça provient tout simplement du fait que la première conscience est féminine. Les isbis, vous savez, les isbis, ce sont toujours des êtres féminins. Ce ne sont jamais des êtres masculins. Les isbis masculins, ça n'existe pas. Par contre, vous savez, les gris, eux, ils sont ni masculins ni féminins, ils sont rien. C'est juste des décors, des portails organiques. Mais parmi les reptiliens qui sont en train d'essayer de détruire cette terre, il y a beaucoup plus de masculins. En réalité, le masculin, il est quasiment fait pour détruire ce monde. Faut bien comprendre que le féminin, donc ça veut dire le chromosome X, c'est lui qui est créateur, c'est lui qui est notre double ultime. Mais c'est lui qui peut se réaliser dans notre présent. Donc ça veut dire quoi? Que la quatrième densité sera à la fois physique et éthérique. La quatrième densité est un monde variable où, lorsque nous sommes variables, c'est-à-dire que nous pouvons être à la fois physique et à la fois éthérique, la sexualité, c'est la même chose. La sexualité sera à la fois éthérique et physique. Donc ça veut dire que par la sexualité, nous pourrons à la fois retourner dans le passé et retourner dans le futur. En fait, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire ça automatiquement, mais c'est par l'énergie qu'on produit par la sexualité que deviendrons voyageurs du temps, dans le temps. En réalité, les voyageurs du temps, ils n'existent pas. C'est juste une vision. C'est une vision que nous avons de la réalité. On ne peut pas voyager dans le temps et dans le passé et dans le futur, puisque tout est en même temps. On ne peut pas le concevoir dans notre ancien monde. Nous ne pouvons le concevoir que maintenant. Parce que certains ont déjà fait ce travail avec leur double. Aujourd'hui, on peut bien comprendre pourquoi certains couples de troisième densité explosent. Mon couple il a explosé. C'est normal. Mais je ne savais pas à l'époque pourquoi. Les gens qui se réveillent, ils ne peuvent pas rester avec quelqu'un par convention, ou par facilité, ou par n'importe quoi. Ils ne peuvent pas. Par contre, ceux qui ne se réveillent pas, ça marche très bien. Mais ils sont très très malheureux. C'est important de comprendre parce que les gens qui ont un rapport sexuel avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas, c'est destructeur pour lui. Parce qu'en fait, ces rapports sexuels emmagasinent de l'énergie destructive, destructrice. C'est un peu logique. Mais
Cette énergie destructrice, elle nourrit les entités SDS. Elle ne nourrit pas les entités SDA. En fait, les entités SDS prennent cette énergie et se nourrissent, ils nous la pompent. Alors que pour les entités SDA, c'est nous qui leur offrons cette énergie. Pour que les entités SDA, effectivement, ils se nourrissent aussi de notre énergie, mais pas pour nous détruire, pour que nous puissions nous nourrir dans le futur. Comprenez? Nous-mêmes, on se nourrit dans le futur. On se donne de l'énergie pour créer notre futur. Ce n'est pas du tout la même chose. Je pense toujours aux gens qui faisaient du tantrisme dans ce monde. Tantrisme et des pratiques sexuelles, essayer de faire des pratiques sexuelles. New Age, ou je sais pas comment, c'est complètement stupide parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, ils voulaient améliorer leur sexualité, ils voulaient tout simplement créer de nouveaux couples, mais ça ne sert à rien. C'est pas ça. Dans cet ancien monde, j'avais une amie qui s'appelle Christina. Christina, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mon livre, je sais plus où exactement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Christina est une amie que j'ai connue dans la région ici, il y a quelques années. Christina était praticienne psychologique, était psychologue aussi, hein. Elle était enseignait le yoga, je ne sais plus quel yoga, mais elle enseignait le yoga. En fait, elle faisait des conférences. Mais elle était végétarienne. Donc le problème, c'est pas parce qu'elle est végétarienne qu'il y avait un problème. Mais c'est parce que le végétarisme lui était induit par quelque chose. Vous vous rappelez? Les gens qui s'éveillent, qui se réveillent, mais qui ne sont pas assez forts psychiquement et corporellement, et corporellement, ils ne pourront pas aller vers la quatrième densité. Pourquoi? Ben, comme Christina, elle disait souvent, lorsqu'elle faisait des soins, qu'elle voyait, puisqu'elle voyait les autres mondes, qu'elle voyait un gris qui était assis sur la table de soins. Christina disait aussi que son double l'attendait dans l'autre monde et qu'elle communiquait avec son double dans l'autre monde. En fait, qui lui disait tous les bienfaits des végétaux, des fleurs, tout ça, de la belle vie. Il ne mangeait pas de viande. Mais, problème, elle est morte d'une leucémie. Bon, il y a quelque temps, je veux dire. Elle est probablement morte d'une leucémie parce qu'on n'a aucune nouvelle. Personne ne sait où elle est partie. On ne sait pas. Peut-être qu'elle a été en ville. Je ne sais pas. Personne ne sait où Christina est allée. Personne. Peut-être qu'elle a été en ville. Je ne sais pas. Mais Christina n'est plus de ce monde. Pourquoi? Parce qu'elle était, elle appelait son ami dans l'antimatière, donc son ami de l'astral, elle l'appelait Ismaël. Et en réalité, Ismaël, c'était qui? C'était le nom que lui a donné ce gris pour lui faire croire qu'il avait un double dans l'antimatière. Il n'y avait pas de double dans l'antimatière, qui s'appelait Ismaël. C'était elle-même qui était dans l'antimatière, qui se donnait qui pouvait, comment dire, se donner des informations. Ismaël ne pouvait pas lui donner des informations parce que c'était un gris. En fait, ce gris était apparu dans son monde pour la détruire elle. C'est ce qui est arrivé. Bien comprendre que les gris ne sont pas des isbis. Des fois, les isbis utilisent des gris ou accompagnent les gris. Mais les isbis, ils ne sont pas en lien. En fait, ils ne sont pas maîtres des gris. Ce ne sont pas les maîtres. Ce sont toujours les reptiliens qui sont maîtres des gris. Et simplement, c'est juste comme ça. Personne n'est traître. Personne ne se ment dans ce monde-là. Tout le monde sait qui il est. Mais la seule chose qu'ils font, ces êtres qui nous gouvernent, ben, ils essayent par le mensonge à ce que nous-mêmes, nous forgeons notre propre conscience. Nous ne devons plus nous baser sur la conscience de quelqu'un. Nous ne devons plus écouter la conscience de quelqu'un.
chacun a sa propre conscience. Par contre, pour s'entraider, et pour s'entraider, il faut avoir beaucoup confiance à l'autre, dans le groupe. Par exemple, dans le groupe dans lequel on est, c'est ça. Mais même dans notre groupe actuellement, c'est très très difficile parce que les gens dans notre groupe n'ont pas confiance, n'ont pas absolument confiance à l'autre. Ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. C'est très très difficile. Et plus un groupe se constitue, plus les gens vont être programmés pour détruire, pour s'autodétruire et pour détruire le groupe. Mais en fait, la réalité, c'est que nous sommes tellement soudés que les SDS n'arriveront pas à détruire notre groupe. Par contre, ceux qui veulent vraiment détruire leur groupe, ils vont partir. Ce n'est pas nous qui les rejetons, ils vont partir. Pas. Il y a parfois des gens qui quittent notre groupe parce qu'en réalité, ils se laissent prendre par leur prédateur. Généralement, ce sont des grilles, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, il faut bien comprendre que les religions ont détruit le sens profond de la sexualité. Et actuellement, personne n'y réchappe. Personne ne réchappe à ses mémoires. On ne peut pas. Par contre, on peut échanger avec notre double. Notre double, il possède le même soi supérieur que nous. C'est-à-dire que le soi supérieur et le double, ce n'est pas exactement la même chose. Le soi supérieur n'a pas de polarité. Le soi supérieur, c'est le même soi pour notre double que pour nous. Le soi supérieur, c'est le même soi supérieur pour moi que pour mon double. C'est la même chose. C'est un autre niveau que se situe le double. Le double, il est dans un monde matériel, même si c'est antimatériel, même si c'est éthérique. Le soi supérieur, c'est la conscience qui n'a plus de corps du tout, ni matériel ni antimatériel. Et c'est quand même la conscience. Et cette conscience, c'est cette conscience aussi qui échange des ions, qu'on n'appelle pas des ions, mais je ne sais même pas comment ça s'appelle, parce que la science ne comprend pas vraiment comment ça marche. Comment cette conscience peut échanger des informations à travers notre conscience. Mais en réalité, on sait, cette conscience échange des informations à travers le champ unifié, à travers le champ morphogénétique. Le champ morphogénétique, ben, il est à la fois matériel et antimatériel, parce que le champ morphogénétique est immuable, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se promener, entre guillemets, dans la matière ou dans l'antimatière, ou dans le passé, dans le futur. Il est juste là. Il est juste là, donc tout le monde peut se connecter à ce champ morphogénétique. C'est ce que nous faisons. Et encore autre chose qu'il faut comprendre, qu'on doit comprendre. L'ancien monde est en train de disparaître. Le nouveau monde est en train de naître. L'ancien monde, c'est celui qui a été gouverné ou régi par l'état profond. L'état profond qui était gouverné, qui était dirigé par les reptiliens, mâles, par les énergies masculines. Toujours. Cet état profond, il va disparaître. Les reptiliens vont disparaître. Le peuple reptilien va disparaître. C'est pour ça que certains d'entre eux, qui étaient assez intelligents, s'incarnent dans des corps humains, actuellement. Et lorsqu'ils s'incarnent dans des corps humains, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devenir aussi sensibles que l'humain, aussi émotifs que l'humain. Lorsqu'ils deviennent sensibles et émotifs, bah, ils deviennent humains. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne sont plus reptiliens, ils deviennent humains. Donc ces reptiliens qui deviennent humains, ben, ils participent à l'évolution. Ils sont eux-mêmes, ils ont eux-mêmes créé l'humanité actuelle, mais ils sont eux-mêmes devenus un humain, vraiment humain. Ils ne sont plus reptiliens, ils ne sont plus autre chose, ils sont humains. Et ça, c'est la magie, on peut appeler ça, enfin, ça c'est la magie de l'évolution. Tout le monde évolue à partir du moment qui fait l'effort de comprendre. Et ça ne vient pas tout seul. En réalité, si nous avons des relations sexuelles avec quelqu'un, donc je répète, avec quelqu'un et qu'elle est constructive, qu'elle est agréable, qu'elle est, je sais pas comment dire, et vraie, qu'elle est réelle, qu'on peut regarder les gens dans les yeux lorsqu'on a une relation sexuelle, qu'on ne le fasse pas dans le noir total,
Quand on regarde les gens dans les yeux, lorsque nous avons une relation sexuelle, c'est parce qu'il y a de l'amour. Mais cet amour, ce n'est pas de l'amour attachement. C'est de l'amour information, c'est de la lumière qu'on communique à l'autre, on communique de l'énergie à l'autre. Et lorsque nous communiquons de l'énergie à l'autre, en réalité, on communique de l'énergie à notre double, au double de l'autre et à l'autre. Ça veut dire, en fait, dans chaque relation sexuelle à deux, il y a quatre protagonistes. Dans la matière, deux dans la matière et deux dans l'éther. On peut comprendre pourquoi c'est très important de pratiquer une sexualité saine. Je ne sais pas, pas déviée. Il n'y a pas de compétition, ni rien. C'est juste une sexualité saine. C'est ça qui va changer le monde. Parce que dans le futur, dans notre futur, nous nous nourrirons de l'énergie sexuelle actuelle que nous produisons actuellement. C'est magique, hein? Et en réalité, ce double éthérique, les gens n'y croient pas, parce qu'ils n'ont pas encore appris à le voir. Pourquoi? Le jour où ils comprendront ce que c'est, ils pourront apprendre à le voir. Pour apprendre à voir, parce qu'ils verront des formes lumineuses qui se baladent autour d'eux. Ces formes lumineuses, ce n'est pas la forme des courants énergétiques, mais ce sont des formes lumineuses qui sont pas matérialisées dans la matière. C'est pour ça qu'elles sont lumineuses. Et donc, lorsqu'on a des expériences sexuelles avec quelqu'un, vraiment, des bonnes expériences sexuelles ou des expériences sexuelle constructive ou légère, ou je ne sais pas comment expliquer ça, tellement c'est difficile à exprimer. Mais ces expériences sexuelles nous élèvent, nous nourrissent dans notre futur, nous élèvent en fréquence vibratoire, nous donnent de l'énergie. Cette énergie-là, elle va freiner la vieillesse, elle va freiner notre évolution, l'évolution actuelle de l'humain. En fait, c'est l'inverse qui va se produire. L'énergie sexuelle nous propulse vers un futur. De plus en plus vite. Plus nous avons de relations sexuelles, je pourrais presque dire, plus nous irons vite vers le futur. Mais en réalité, il n'y a pas de vitesse, puisque tout est en même temps. Donc en réalité, il n'y a rien de tel que d'assumer sa sexualité avec joie et légèreté. À la prochaine!